Bien, Président, nous sommes dans votre bureau. C'est le seul endroit où on était sûr de vous trouver, parce que vous y passez beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Nous allons faire ce bilan d'activité. On va retracer un peu l'histoire d'une année cynégétique avec vous. Et je vous propose de commencer d'ailleurs par le thème de la communication. Ça fait 3 ans que la Fédération a décidé de professionnaliser sa communication. C'est un enjeu important aujourd'hui. Oui, effectivement, la communication, je considère que c'est essentiel aujourd'hui, hein. Alors, on a mis en place, dans le cadre de la dématérialisation et de la transition numérique, le courrier intranet de la Fédération, hein, diffusé auprès de tous nos adhérents. Nous avons mis en place les validations de permis en ligne, mais aussi l'e-saisie des plans de chasse, des carnets de prélèvement petit gibier. Et pour la saison prochaine, des carnets de prélèvement battus. Donc tout ça, c'est à la fois une source de simplification et une source d'économie. C'est une économie de l'ordre de 15 000 euros. Et puis il y a la communication vers l'extérieur, vers le grand public Voilà, alors éventuellement. ça fait partie des nouveautés, hein. Depuis novembre 2017, hein, une lettre d'actualité hebdomadaire, diffusée au travers toujours de ce courrier intranet, mais aussi vers les réseaux sociaux, les institutions, les collectivités, les médias, les journalistes. Territoire et biodiversité. Ça, ce sont deux concepts assez indissociables, puisque lorsqu'on parle de territoire, on parle d'aménagement, donc souvent d'impact. Et là, la fédération est à la fois très vigilante et très active. Oui, on est vigilant et actif. Dans le cadre, par exemple, de notre programme de gestion du petit gibier, nous avons un partenariat avec l'Université de Perpignan. Ce sont des travaux qui sont encadrés par nos techniciens et la participation aussi des sociétaires, des ACA concernés par ces aménagements et qui adhèrent à ce programme de réhabilitation du petit gibier. Alors, je vous propose de retrouver sur le terrain une opération justement en faveur du petit gibier, de la perdrix rouge. Il s'agit de réensemencer une prairie. Et vous allez voir qu'il y a certains gestes culturels, traditionnels, ancestraux que ces jeunes essaient d'acquérir. Ce n'est pas sans peine. Voyons, on va le poser sur le dos. On n'est pas des spécialistes des graines ni des végétaux, mais avec les années un petit peu et les chantiers développés sur pas mal de communes dans le département, ben avec le recul, on commence à avoir un petit peu acquis une forme peut-être d'expérience un petit peu sur les façons de faire. Beaucoup de choses nous ont été apportées aussi par les chasseurs ou les agriculteurs qui ont un certain vécu, une habitude de l'endroit, qui connaissent l'histoire des parcelles aussi. Et en fait, le mélange un peu de tout ça, de cette connaissance des bénévoles, du bon sens paysan aussi, parce que souvent ils utilisent des pratiques simples mais efficaces. Ben finalement, le mélange un petit peu de tous ces travaux et des acquis des personnes qui sont sur les communes de longue date, ben permettent aujourd'hui d'arriver à faire des aménagements relativement efficaces à des prix peu onéreux, en laissant la place à la faune sauvage, aux plantes sauvages et donc aux espèces chassées. Bah, je trouve ça plutôt intéressant, surtout que ça permet de mettre en pratique ce qu'on voit en cours et en même temps de faire quelques actions qui seront assez favorables à la biodiversité. Et en plus de rencontrer différents acteurs de la région, donc c'est plutôt sympa. Ça fait plaisir parce que bon, ils ont de suite intégré le geste, hein, et ils se sont mis. Bon, c'est sûr, quand on n'a jamais fait, on est gauche, comme tout, hein. On est gauche, on ferme la main, et bon, il faut apprendre à avoir le geste, le geste pour la volée du blé ou du semis, quoi. Hein. À la base, tout ça part d'un investissement fort de gens qui sont très attachés à leur territoire. Et en fait, ils sont attachés souvent au territoire parce qu'ils aiment bien sûr l'agriculture, ils aiment la terre, mais le fait qu'ils soient attachés à leur commune, à ces parcelles, qu'ils connaissent l'histoire un petit peu aussi des parcelles, du paysage, de ce qui s'est passé, mais fait qu'ils sont très ouverts à transmettre leur savoir, à partager, et un petit peu ça crée une sorte d'ambiance positive, je pense. Oui, ils sont là bon, déjà pour leurs études et pour apprendre aussi. Bon, ils ont appris un geste qui, pour beaucoup, n'avaient jamais vu et jamais fait.
sûr et certain, quoi. Il y en a que, ils jettent ça comme si j'étais un caillou, quoi, voilà. Lors de la dernière AG, vous aviez alerté les détenteurs de droits de chasse sur la vigilance qu'ils devaient observer par rapport à ces grands aménagements, sur les conséquences qu'il pouvait y avoir, parc éolien, parc photovoltaïque, extension de carrière, en fait, tout ça a des conséquences sur l'environnement et donc sur la pratique de la chasse. Est-ce qu'ils vous ont entendu ? Oui, tout à fait. Hein. Alors, toujours sans prendre position hein, sur ces projets de grands travaux, hein. Nous assistons simplement les ACA, qui le souhaitent, dans la négociation donc avec ces grands groupes, dans la négociation des mesures compensatoires qui permettent donc aux territoires concernés donc d'obtenir quelques financements donc à intérêt cynégétique. La fédération de chasse se positionne pour les expertises de terrain, les études d'impact, en collaboration d'ailleurs avec d'autres associations environnementales. La fédération, surtout, ne veut pas leur laisser le leadership de ces expertises. Alors, quand on parle de mesures compensatoires pour une ACA, par exemple, ça peut être... Ça peut être des actions en faveur donc, du petit gibier, des aménagements de refuges de chasse, des aménagements en matière de sécurité pour les battues. Il y a tout un tas d'actions qui peuvent être financées donc, au travers de ces compensations. Alors, je vous propose maintenant de parler du suivi national sur la phénologie de la migration des passereaux par bagage. De quoi s'agit-il ? Alors écoutez, on a la chance d'avoir au sein de la Fédération un technicien agréé par le Muséum d'Histoire Naturelle. C'est Benjamin Calmont, hein, c'est quelque chose d'exceptionnel. Hein. Il n'y a que deux techniciens de fédération qui soient agréés donc, par le Muséum d'Histoire Naturelle en France. Et c'est un concours extrêmement difficile et qui demande un investissement quasiment pendant 2 ans. Hein. Alors ces reprises et bagages donc, nous permettent d'affiner nos connaissances sur les migrations hein, et défendre la pérennité donc, de la chasse de certaines espèces, sans laisser encore une fois le leadership donc, aux associations, par exemple, anti-chasse. Un dossier complexe, le pigeon ramier, l'affaire du pigeon ramier. Compliqué cette histoire. La Fédération départementale des chasseurs est là pour représenter donc, les chasseurs auprès des services de l'État. Hein. Conformément à ce qu'ils ont demandé, nous avons demandé le classement du pigeon nuisible, avec l'appui d'ailleurs de la Chambre d'agriculture. Pour faire un petit peu l'historique, si vous voulez, déjà, nous sommes en contentieux donc, avec le GOR, hein, le groupement ornithologique roussillonnais, hein, depuis pratiquement les années 2000. Chaque fois que nous avons déposé une demande de classement nuisible de cette espèce, chaque fois, l'arrêté qu'a pris le préfet a été systématiquement attaqué. Et nous avons régulièrement perdu, sauf les 2 dernières années, hein, 2016 et 2017, où effectivement nous avions des dossiers qui étaient étayés, hein, avec des dégâts, hein, 9 à 10 dossiers de dégâts représentant aux alentours chaque année de 70 000 euros, avec une étude également qui avait été réalisée par nos techniciens, une étude de suivi, une étude scientifique, qui ont permis donc de faire reclasser en 2016 et 2017 le pigeon ramier nuisible. 2018, nous n'étions pas dans cette configuration, c'est-à-dire qu'on a fait cette demande, mais par contre, nous n'avions pas hein, de dossier de dégâts à démontrer et également les suivis techniques démontraient une baisse des populations. Dans ces conditions-là, le préfet n'a pas voulu signer cet arrêté parce qu'on allait bien sûr de nouveau vers une procédure de justice et on n'avait pas les éléments pour se défendre. Il faut dire que si on parle de procédure de justice, tout ça, ce sont des frais financiers qui incombent aussi à la Fédération. Il y a des frais pour les services de l'État, mais il y a également des frais pour la Fédération qui vient toujours dans ces procédures en soutien solidaire de l'État. Et sur la dernière année, on peut estimer l'investissement de la Fédération pour défendre la chasse de cette espèce, donc après le 20 février, à 10 000 euros environ.
Si l'année prochaine, on a un dossier qui tient la route, tant au niveau du maintien ou de l'augmentation des populations, et également au niveau des dégâts, le préfet reconsidérera, bien sûr, sans problème, hein, et il l'a écrit, donc, sa position pour prendre cet arrêté de nuisibilité. Savoir gérer, c'est savoir compter, c'est aussi savoir répertorier. Je vous propose de regarder comment ça se passe sur le terrain. On fait un relevé parcellaire sur toute la commune de Cals. Et après, il y aura un plan de proposition au niveau des aménagements de territoire. Tout ça pour favoriser l'espèce phare, la perdrix rouge, et tout son ensemble, tout son cortège qui va avec. On devrait être pas loin de la 1364, je pense. Il faut être précis sur la localisation. Ouais, il faut être assez précis pour les parcelles avec l'aide de la géolocalisation, ça nous permet d'avoir les parcelles une par une, quoi, et d'être le plus juste au niveau de la du protocole mis en place pour le relevé végétatif, quoi. Ce qui est moins favorable, c'est les milieux vraiment fermés. Là, c'est un stade de milieu fermé arborescent, mais en dessous, on peut voir quand même que c'est assez rare. La perdrix peut vraiment se cacher et trouver zone de refuge. Là où ça serait vraiment délicat pour elle, ça serait vraiment si ça serait des étages complètement fermés, impénétrables, ou même pour nous, quoi. S'il n'y avait pas eu d'activité humaine sur un territoire, on serait tombé en forêt. Donc finalement, la perdrix rouge, elle n'aurait jamais pu se développer. Donc finalement, on peut dire qu'en conclusion, l'activité humaine favorise les espèces de milieu ouvert. Donc c'est une gestion rigoureuse que vous appelez de vos voeux de la part des responsables de territoires de chasse. Le dossier Petit Gibier que nous avons engagé est un des dossiers les plus compliqués à gérer. Hein. Autant on a certaines facilités à gérer des populations de grands gibiers, autant pour le petit gibier, c'est extrêmement complexe. Ça demande un investissement des acteurs locaux très important, sans être sûr d'avoir un résultat à la sortie. Alors, nous sommes là pour aider tous les territoires qui veulent œuvrer dans ce sens, hein, au travers de ce que nous venons de voir, hein, les comptages, les expertises, les aménagements de terrain. Hein. Ce sont des mesures qui nous ont été préconisées par des scientifiques, hein, de l'Office national de la chasse, des scientifiques de l'IMEPCF. Hein, ce sont des conseils en matière de gestion pour essayer de remonter ces populations de petits gibiers. Mais c'est extrêmement compliqué. Et cette philosophie de responsabilisation sur le terrain, on en parle pour la perdrix rouge, on peut en parler aussi pour les lagomorphes. Certains territoires sont plutôt favorables à la perdrix rouge et il faut mettre en application toutes ces préconisations. Mais après, il y a des territoires qui sont plus favorables aux lagomorphes, hein, et il faut aller dans ce sens. Et c'est pas la peine d'essayer d'implanter de la perdrix rouge là où elle ne sera pas bien. Voilà. Et je précise que les lagomorphes sont des lapins. Ils sont des lapins et des lièvres. Hein, voilà. Oui. Changement de territoire, je vous propose de rester à la montagne, puisqu'on y est bien aujourd'hui. Nous allons voir un exemple d'une action en faveur de la perdrix grise à travers des aménagements et des études sur la commune d'Aisne. On est sur la commune d'Aisne. Et on est venu voir donc une zone d'aménagement perdrix grise de montagne. En fait, c'est une soulane à genu purgatif, hein, qui est en lisière de forêt de pins accrochés. Donc c'est un milieu qui est très favorable et recherché par les perdrix grises. Sur cette zone qui aujourd'hui a tendance à se fermer, hein, le genu purgatif est en train de recouvrir pratiquement en totalité cette zone. Et surtout, la forêt est en train de gagner aussi. Donc l'idée, c'est de venir voir un petit peu comment on peut réouvrir cette zone et la rendre plus favorable à cette espèce. On va essayer de marquer des points là, au GPS pour bien cartographier la zone. Et au fur et à mesure, on proposera quelques points d'aménagement avec soit de la réouverture au travers de girobroyage, soit carrément des zones sur lesquelles on enlèverait quelques pins accrochés qui sont en train de coloniser. En gardant bien sûr toutes les parties de bois qui sont constituées, toute la lisière qui est déjà bien marquée, parce que les oiseaux aiment aussi ces zones en hiver notamment, hein, pour venir s'y réfugier, mais de sortir donc tous ces petits pins qui sont en train de coloniser cette zone. Tu vois, toutes les fentes et tout,
tu as des chaussons, si derrière tu as un orage, le sol il se barre et du coup... On est accompagné de plusieurs personnes là, il y a notamment le président de la CCA concernée, il y a un garde de la réserve naturelle d'Aisne, puisqu'on est juste en limite de la réserve, donc on voulait voir avec lui effectivement si on empiétait sur la partie réserve ou pas. Effectivement, on est sur un territoire communal, ce sont des parcelles communales, mais on vient de le regarder, donc on n'est pas sur la réserve naturelle d'Aisne. Tous ces travaux montagne et toutes ces activités, tous ces suivis montagne, effectivement, prennent du temps. Hein. Souvent, on n'arrive pas sur ces zones directement en voiture. On est obligé d'avoir des marches d'approche, etc. Et donc, on a couplé ça ce matin avec une écoute, un grand tétra au chant, puisque le coq chante pendant toute la période du mois de mai sur des places de chant. Et donc, ce matin, on a fait un comptage sur plusieurs places de chant qui sont pas loin de ce secteur et qui sont sur la même commune. Donc sur la commune d'Aisne et de Saint-Pierre. Alors cette action est portée par le projet Abios. Ça vous tient à cœur ce projet Abios. Vous y êtes, la fédération y est bien investie. On y est bien investi, comme au programme précédent d'ailleurs, hein, qui n'avait pas le même nom, hein, qui s'appelait Galipir 1 et Galipir 2. Hein. L'objectif donc de ces programmes, ce sont des programmes d'abord européens, transfrontaliers, et qui sont destinés aux galliformes de montagne. Le suivi des espèces, l'aménagement des territoires. Il a été fait un inventaire de l'accidentologie de tous les galliformes de montagne, par exemple sur les remontées mécaniques. Donc ce programme nous a permis de financer la visualisation de tous les câbles des remontées mécaniques de façon à éviter ces collisions qui sont bien bien plus meurtrières que l'action cinégétique elle-même. Hein. On fait un petit peu l'inventaire des collisions donc sur les 15 dernières années, c'est quand même 57 grands tétras hein, qui ont percuté des câbles et qui ont été retrouvés bien sûr morts au pied de ces câbles. Hein. Alors que les chasseurs eux-mêmes pendant cette période-là ont prélevé trois grands tétras. Donc vous voyez, c'est... Sur quoi doit porter l'effort. Voilà, sur quoi doit porter l'effort. On peut dire que par rapport à la gestion justement de la perdrix grise notamment, c'est un bel exemple de gestion rigoureuse en montagne. Ah oui, alors en particulier dans le secteur où nous sommes, hein, et sur l'AICA Carlit-Mancardos, il y a une gestion de la perdrix grise, par exemple, de montagne, hein, qui existe depuis 20 ans. C'est une gestion très très rigoureuse qui a été mise en place et d'ailleurs qui a été couronnée par les trophées chasse durable cette année donc au niveau de la région Occitanie. C'est ce cycle vertueux qu'il faudrait donc mettre en place pour les autres territoires en plaine, notamment par rapport au petit gibier. Ça voilà. Marche, ça peut marcher. Ça peut marcher. Alors c'est vrai que on aurait dû anticiper. Hein. Aujourd'hui, le niveau des populations est tellement bas que l'effort est d'autant plus considérable à faire. Alors il y a des sujets enthousiasmants dans la chasse et puis des sujets beaucoup plus préoccupants. Je parlais bien sûr des dégâts. Vous êtes beaucoup allé sur le terrain cette année pour vous rendre compte vraiment de la situation qui, je crois, est préoccupante. Alors ça, c'est un sujet que l'on traite tous les jours. Hein. Et effectivement, je me suis déplacé dans différents secteurs du département, que ce soit la Cerdagne, que ce soit les Fenouillèdes, que ce soit le Val-Espire, le Conflans. J'aime bien me rendre compte sur place de ce qui se passe, de façon à adapter les mesures en fonction des différentes problématiques rencontrées. Vous allez développer plus avant tout à l'heure dans votre rapport moral toute cette problématique autour du sanglier. Il faut trouver des solutions. Il faut essayer de trouver des solutions. Vous allez en développer peut-être tout à l'heure. Concernant le grand gibier soumis à plan de chasse, par exemple, cette année, il y a une nouveauté. Vous avez mis en place les plans de chasse triennaux. Qu'est-ce que ça va changer ? L'objectif, c'est de simplifier administrativement donc, cette gestion des plans de chasse, qui est lourde tous les ans. Hein. Simplifier également la gestion elle-même de ces plans de chasse. Hein.
pour les détenteurs de droits de chasse, il n'y aura pas de changement important, hein, sinon qu'ils seront un petit peu plus responsabilisés au niveau de la gestion des bracelets qu'ils avaient l'habitude de demander tous les ans et qu'aujourd'hui, ils auront pour 3 ans. On a le cas d'ailleurs en Cerdagne, hein, sur la partie Carlit-Cancardos, hein, où on a effectivement un problème de surdensité. Et ce plan de chasse triennal va leur permettre de prélever, dès la première année, davantage d'animaux. Les détenteurs de droits de chasse donc, seront gestionnaires de la faune de leur secteur. Et je leur fais entièrement confiance. Ils ont cette fibre de gestionnaire, quelle que soit l'espèce. Alors, il y a un aspect très positif, c'est le développement de la plateforme Venaison. On est à la 6e année d'expérience. 4 centres de collecte donc, ont été installés donc, dans le département. Hein. Deux en montagne, un sur les Angles, l'autre à Aire. Destiné plutôt à tout ce qui est cervidé, et puis deux sur le Piémont, donc un à Estagel et l'autre à Morillas, destiné plutôt à recevoir des carcasses de sangliers. C'est d'abord une surveillance sanitaire obligatoire, et puis ça nous permet de diffuser donc, cette venaison de grande qualité, donc, grâce à l'intervention des établissements gouaches, donc au niveau de tous les restaurants de la région même Occitanie. Alors vous qui allez sur le terrain, les chasseurs ont compris l'intérêt de cette plateforme. Au début, certains regardaient ça un petit peu de loin, se demandaient qui allait en tirer un petit peu profit finalement. Et on sait que dès qu'il y a possibilité de profit quelque part, il peut y avoir interrogation, méfiance. Aujourd'hui, c'est bien perçu. Les territoires ont compris qu'ils avaient cette possibilité que leur a offert la fédération. Hein. Il n'y a pas d'obligation. Hein. Mais j'ai toujours dit dans les réunions que plutôt que d'aller chercher de l'argent dans la poche du chasseur, hein, pour quelque opération que ce soit au sein de l'association communale de chasse, hein, et bien on avait cette possibilité de déposer une carcasse, d'avoir donc une rémunération en contrepartie qui permettait justement de faire ces petits investissements. Ça peut éventuellement servir à entretenir les meutes de chiens, hein, à payer des frais vétérinaires lorsqu'ils sont au-delà de la norme. C'est une vraie piste économique pour soutenir l'économie de la chasse sur le territoire. Bien sûr. Hein, pourquoi aller chercher ou faire venir de la viande de gibier d'Europe de l'Est au travers de Rungis alors qu'on a la matière première sur place, hein. 13 000 sangliers tués, 1400 cervidés, on a la matière, pourquoi aller la chercher ailleurs? Et les chasseurs ne vont pas tout manger tout seuls. Et puis les chasseurs, je pense, j'espère, non, ne mangent pas tout. Il y a un engouement, est-ce que c'est lié à un engouement pour une formation à l'examen initial venaison? En quoi ça consiste? C'est une façon, c'est trouver les bonnes pratiques aussi dans ce cadre-là? Voilà, c'est étroitement lié bien sûr à la plateforme de valorisation de la venaison. Hein. Bon, pour déposer une carcasse, il faut en faire au moins un examen qu'on appelle initial, hein, de façon à détecter donc ce qui peut être déposé et ce qui peut ne pas l'être s'il y a une suspicion d'une maladie, quelle qu'elle soit. Et puis on est très très attaché donc à cet aspect sanitaire dans le département. On a toujours participé donc aux campagnes de prélèvement pour vérifier si effectivement le cheptel gibier est en bonne santé. Hein. On a participé à des campagnes concernant la fièvre catarrhale ovine. On a cette année un partenariat avec la direction départementale de la protection des populations en ce qui concerne la tuberculose bovine. Et il faut savoir d'ailleurs que dans le cadre de ce dossier, tout ce qui est déposé avec une suspicion de tuberculose bovine est pris en charge donc, par l'État.
tout ça aussi est en lien avec le réseau SAGIR, j'imagine. Chaque fois qu'un animal mort nous est signalé avec une suspicion, quelle qu'elle soit, ou après la chasse, une fois qu'on a dépecé l'animal, s'il y a une suspicion de quoi que ce soit, immédiatement, donc, les sociétaires en ont l'habitude, les sociétés de chasse en ont l'habitude, elles nous en informent, on récupère, on fait analyser et on rend compte des résultats, donc... au fur et à mesure des analyses. C'est le fameux leitmotiv, le chasseur est la première sentinelle de la... Exactement, exactement. Ça, ce leitmotiv a été régulièrement repris. Nous sommes des sentinelles de la nature. Naturellement, il faut qu'on parle des déchets issus de l'action de chasse. Je vous propose d'écouter Eva Faure, c'est la vétérinaire qui est en charge de ces dossiers auprès de la Fédération nationale des chasseurs, qui intervient beaucoup ici dans la région et dans le département. Elle va nous faire un bilan de la situation, alors que le département est très très en avance et en pointe avec beaucoup de sites pilotes concernant les fosses de déchets issus de la chasse. C'est certain que ça fait partie des bonnes méthodes. Ça, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Oui, oui, ça se dégrade bien. Il n'y a pas de problème a priori. Si on respecte bien les préconisations qu'on a pu faire, ça se dégrade très bien. Et ce que fait remonter la Fédération départementale des Pyrénées-Orientales, c'est bien qu'il y a une demande très forte de la part des communes et surtout des communautés de communes. Donc ça, c'est intéressant. Ça montre aussi que la collectivité en général considère que ça améliore les choses, quoi. C'est déjà un bon point si on peut considérer que c'est une amélioration pour les citoyens en général, quoi. Nous, on a pu faire notre retour de toutes ces études au ministère de l'Agriculture qui l'accueille très favorablement. Là, ils sont en train en fait, d'étudier les aspects réglementaires qui vont encadrer cette technique et ces méthodes de destruction des sous-produits animaux de gibier. Il y aura de toute façon la partie enfouissement dans le sol et aussi les fosses du type hors-sol, les fosses maçonnées, comme celles qui existent sur l'ICA de fosses Vira dans les Pyrénées-Orientales, justement. L'avantage dans les Pyrénées-Orientales, c'est ça fait partie des départements où les autorités départementales sanitaires sont plutôt favorables et donc soutiennent la fédération dans cette démarche. On n'est plus très loin de pouvoir communiquer de façon tranquille et sereine à tous les chasseurs en mode d'emploi. C'est des énarques qui vont... analyser ça. Non, c'est moi. Vous avez défendu cette option d'enfouissement des déchets de chasse, je crois déjà parce que c'est un coût, au-delà de son efficacité, son coût est minime par rapport à la solution de l'écarissage. L'écarissage donc, est d'un coût prohibitif et n'était pas adapté donc, à la quantité de carcasses qu'il fallait traiter dans le département. Tous ces sites expérimentaux ont été élaborés en collaboration avec l'Office national des forêts pour certains, mais aussi avec la DTTM, les services de l'État, la DDPP. L'ensemble de ces sites sont connus des services de l'État et sont mis en place de façon très rigoureuse. En attendant que tout cela soit finalisé, on continue à dire aux chasseurs d'être très vigilants sur la manière de se débarrasser justement de ces déchets, de ne pas faire n'importe quoi. Oui, là, on a communiqué là-dessus et tous ont trouvé une solution provisoire en attendant la mise en place de ces fosses, parce que ce sera certainement des fosses. On arrive à la fin de ce bilan d'activité, mais on n'arrive pas avec un sujet subalterne, on arrive avec le sujet peut-être le plus important pour vous, et si on l'a placé en fin de bilan d'activité, c'est pour que cela résonne bien aux oreilles de tous les chasseurs qui sont devant nous, devant cette assemblée, c'est la sécurité et c'est la formation. Tout est axé sur la sécurité. Alors il y a l'examen au permis de chasser, mais vous en avez très vite convenu, ça ne suffit pas. Il faut tout au long de la vie continuer à se perfectionner, à progresser, à se remettre à niveau parfois. Et c'est pour ça que vous avez construit un partenariat très très intéressant avec l'ONCFS et avec les pompiers du 1066. On a mis en place donc une formation à la sécurité et au premier secours. En priorité, cette formation est destinée donc au président
d'Acan, aux chefs de battu, aux chefs de ligne, mais elle est ouverte donc à tous les chasseurs qui souhaitent donc se former donc en matière de sécurité. Elle est nécessaire aussi parce que la plupart des anciens chasseurs, si vous voulez, n'ont pas passé le permis puisqu'il n'existait pas à l'époque. Hein. Donc il y a certaines habitudes donc aujourd'hui qu'il faut rectifier. Il faut dire que cette formation est gratuite. Cette formation est absolument gratuite, ça on y tenait absolument, hein, parce qu'on n'aurait pas voulu que l'aspect financier soit un frein à cette formation. Donc il y a la sécurité, il y a des étudiants qui viennent parfois maintenant se former au piégeage. Il y a, je revois récemment, des agréments piégeurs, les gardes particuliers. Il y a cette transmission, il y a ce souci permanent à chaque fois d'élever le niveau, à la fois du conscience de l'action de chasse et puis de la pratique. On a un véritable catalogue de formation, hein, et ça monopolise le temps de nos techniciens pratiquement pendant la moitié de l'année. La chasse dans les Pyrénées-Orientales, aujourd'hui, s'ouvre à tous les publics. Et en tout cas, vous avez la volonté de faire connaître votre passion à tous les publics. Oui, parce que dans le catalogue de ces formations, rien n'est consacré uniquement aux chasseurs. N'importe qui, chasseur ou non, peut s'inscrire à ces formations s'il a le souhait, effectivement, d'avoir des connaissances en la matière. Alors, au-delà de toutes ces formations, de tout ce catalogue de formations, il y a aussi toutes les actions en direction des plus jeunes, et notamment dans le milieu scolaire. J'ai eu un rendez-vous avec le secrétaire général de l'inspection académique, et je lui ai fait part de ses interventions en milieu scolaire, et il a été très intéressé et très satisfait de cette action vis-à-vis des scolaires. Au niveau de la Fédération départementale de chasseurs, c'est quand même 1000 élèves qui ont été accueillis, hein, soit à la Fédération, soit sur les terrains, dans le cadre de ces opérations d'aménagement de territoire. Donc je vous propose d'écouter Jean-Pierre Vandreuil et Fernand Rull qui vont vous décrire cette application qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Et on reviendra ensuite sur ces questions. L'histoire remonte à de jeunes chasseurs qui fréquentent nos associations communales de chasse. Ces jeunes chasseurs ont été étonnés de participer à des actions de chasse dans lesquelles, par exemple, plus de 100 coups de carabine pouvaient être tirés dans la matinée et des randonneurs pouvaient être présents dans le secteur. Il leur est apparu, et ils m'ont transmis cette information, qu'il fallait sécuriser encore plus les battues en donnant l'information aux autres utilisateurs de la montagne que tel jour, par exemple, nous allions utiliser tel secteur de chasse. Donc c'est une application qui fonctionnera aussi bien sur des iPhones que sur des appareils Android. On se connecte en cliquant sur un bouton. On a l'ensemble des territoires battus, donc des tracts, des différentes tracts de la commune qui sont identifiées. Il suffit de cliquer sur la tracte et elle apparaît à l'écran avec, on va dire, une couche photo et tous les postes sont identifiés. Bien entendu, on peut changer et passer sous un format type carte classique, IGN. On a exactement le même dessin. Cette application va nous permettre aussi va permettre aux utilisateurs et notamment aux chasseurs de pouvoir interroger et visualiser les règlements intérieurs de la société de chasse, les règlements de chasse, les statuts éventuellement, et d'avoir un maximum d'informations sur la société de chasse où ils sont en train de pratiquer la chasse. Le randonneur, par exemple, lancera son application sur son téléphone lorsqu'il va arriver et démarrer une randonnée. Au travers de l'icône de géolocalisation, il va pouvoir se géolocaliser sur le territoire, et à partir de là, il sait où se situe la traque en temps réel. Apparaîtront aussi les GR, donc tous les circuits de randonnée, et il saura à partir du moment où il va prendre un circuit de randonnée, s'il va à un moment donné ou pas, il risque ou pas de traverser une battue en cours.
Depuis que le massif du Canigou est devenu grand site classé, eh bien, en quelques années, d'une part, les chemins sont très bien entretenus actuellement, et d'autre part, il y a de plus en plus, on rencontre de plus en plus de randonneurs. En famille et en groupe. Et donc, il faut qu'on soit extrêmement professionnel avec tous ces usagers de la montagne. Donc on le voit à travers cette initiative, à travers cette application, que les chasseurs se soucient des autres utilisateurs de la nature. Cette nécessité de s'ouvrir auprès des autres utilisateurs de la nature est quelque chose de primordial. C'est très important parce que ça permettra aussi de mettre en avant le fait que, en définitive, la chasse peut-être n'utilise pas tout le territoire, mais seulement 10% du territoire le samedi ou le dimanche. Le dialogue doit s'instaurer. Et d'ailleurs, au congrès national de la Fédération nationale des chasseurs à Lyon, une convention a été signée entre la Fédération nationale des chasseurs et la Fédération nationale des randonneurs. C'est encore une belle année cynégétique, avec des enthousiasmes, avec des problèmes à régler, une vie de fédération. En quelques mots, comment vous allez la qualifier cette fois-ci ? La chasse va être réformée. J'ai souhaité anticiper, c'est-à-dire communiquer, simplifier et clarifier pour relancer l'image moderne du chasseur et permettre à notre fédération d'être leader et s'ouvrir à la chasse de demain.